الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه شعبي العزيز. أخاطبك اليوم لنجدد العهد المشترك بيننا بدستور جديد. 2011 a tout de même été un moment important du règne lorsque la constitution est modifiée sur proposition du roi avec approbation par le peuple. La réforme constitutionnelle de l'année 2011 qui a permis aussi un avance considérable en l'autonomie, en le reconnaissement d'une incipiente autonomie en les territoires du Reino de Maroc. Effectivement, sous l'impulsion du roi, de Sa Majesté le roi du Maroc, beaucoup de choses ont été réalisées. On a d'abord stabilisé les institutions politiques. C'est important, évidemment, dans un pays démocratique comme le Maroc. Le Maroc est le deuxième investisseur en Afrique. Le roi a fait plus d'une cinquantaine de visites dans plus de 30 pays. Les entreprises marocaines sont présentes dans 40 pays africains. Le retour du Maroc à l'Union africaine ne peut être que bénéfique. L'Afrique a besoin d'un développement harmonieux, tout azimut. Et pour cela, des acteurs aussi importants que le Maroc comptent énormément. Je crois que le roi Mohamed VI a posé une grande priorité vers l'Afrique. Le futur du développement de l'humanité dépend du développement de l'Afrique. Jenat al-Malek, هو رئيس صندوق القدس, هو رئيس لجنة القدس ويبذل جهود كبيرة ماديا وسياسيا ومعنويا ودبلوماسيا لحماية المقدسات المسيحية والإسلامية ولتعزيز صمود أبناء شعبنا. Sur le plan social, le roi a fait beaucoup pour essayer de lutter contre les inégalités, essayer que les régions rurales ne soient pas complètement isolées. Congratulations, Your Majesty. For myself and from all of the people of the United States of America.